Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et sur la nouvelle édition Épée et Bouclier Évolution Céleste Up B07. Donc cette édition qui vient juste de sortir la semaine dernière, le 27 août. Et donc je vais ouvrir dans cette vidéo le tri-pack BK Glaçon. Alors qu'est-ce qu'un tri-pack? Un tri-pack en fait contient 3 boosters d'une édition spécifique, plus une carte promo que l'on a là, BK Glaçon, un jeton. Et puis aussi une carte code en plus pour le JCC Online, en plus de celles qui sont dans les 3 boosters. Voilà, donc les amis, je vais ouvrir ce tri-pack. Et puis on va découvrir ensemble ces nouvelles, les cartes de cette nouvelle édition. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, à visionner la première vidéo que j'ai faite sur le premier tri-pack la semaine dernière. Le tri-pack Toctali, où j'ai eu la chance d'avoir une carte incroyable, une carte VMAX à l'intérieur. Alors c'est très chanceux, parce que d'habitude dans les tri-packs, j'ai pas forcément réussi à récupérer, avoir des cartes intéressantes. Généralement, c'est le chaud ou le froid. Hein. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, j'arrive à avoir un tri-pack avec une carte ultra rare à l'intérieur. Voilà, donc c'était cool. Et puis c'est vrai que la carte que j'ai pu avoir, moi je vous invite à voir le tri-pack que j'ai mis en ligne dimanche dernier. Voilà, donc dans celui-là, dans ce tri-pack, j'ai pu récupérer une carte vraiment magnifique. C'est-à-dire Nymphalie VMAX. Donc c'est vrai qu'en plus avec des couleurs incroyables, enfin bref. Donc là, bon, je m'attends pas non plus à avoir deux tri-packs de fou de suite, ça paraîtrait incroyable. Allez, on va ouvrir ce tri-pack. On sait jamais, tout est possible. Il y a des cartes à plusieurs centaines d'euros dans toutes les éditions. On sait jamais, voilà. Voilà la première, déjà la carte promo, BK Glaçon. Une carte holographique, comme vous pouvez le voir sur l'image. Hop, le petit jeton. Un de plus, la petite pièce, un de plus. Et puis, alors pour le code du JCC Online, je vous le communiquerai à la fin de la vidéo, les amis. Voilà. Et donc, on a 3 boosters, avec 3 logos différents. Allez, c'est parti, je vais prendre le premier. On va prendre celui-là. Et on va aller visionner les cartes qui sont à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que je suis bien content de cette nouvelle édition, d'avoir pu à récupérer les boosters, l'édition précédente. Qu'est-ce que ça a été dur pour récupérer 3 ou 4 boosters qui se courent après. Allez, la carte pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent récupérer le code pour jouer en ligne. Voilà, je vais la laisser là. Faire durer le petit suspense. Et puis on va découvrir ensemble les cartes. Allez, la première, c'est Evoli. C'est une commune, la numéro 125. Et vous avez ici le logo de cette nouvelle édition. Évolution Céleste. Vous voyez. Petit logo. Donc ça, c'est la première commune. C'est la carte Evoli. Donc c'est un tri-pack en version française, hein, petite précision. Ensuite, on a Bombidou. Une commune numéro là, numéro 78. Bombidou. Pikachu, la numéro 49. Verpomme, le numéro 17. Et Ponchio. Donc il y a 6 communes par booster, hein, les amis. Ponchio, le numéro 133. Et maintenant, la première peu commune, c'est un dresseur Rêve Ball. Le numéro 146. Donc il y a 3 aussi, 3 peu communes. La deuxième, Montagne Orageuse. Un autre dresseur, la numéro 161. Vu qu'il y a 203 cartes dans l'édition, je pense qu'il y a un bon paquet de dresseurs. Et oh, voilà, Géolithe. La numéro 87. Notre dresseur. Donc maintenant on arrive à la carte énergie. Hop, que je vais mettre de côté. C'est parti. Et la reverse. Altaria, c'est une rare reverse. Ah, ça c'est intéressant. C'est la numéro 106, c'est une rare reverse. Celle aussi, je vais la mettre à part. Et la rare. Tadam! Kelurior. La numéro 128. Oh, une rare classique. Et voilà, je vais la mettre ici. Donc voilà le premier booster de ce tri-pack BK Glaçon. Rien de spécial, c'est pas grave. Je vais ouvrir le deuxième booster. De toute façon, c'est une question de chance, hein, les amis. Et puis c'est tellement difficile déjà de réussir à obtenir des boosters que je crois que je vais me contenter de ce que j'ai. Et puis vu la difficulté, je pense que les cotations devraient, des cartes françaises uniquement, petite précision, devraient quand même être intéressantes. Allez, deuxième booster, et avec la carte code du JCC Online, pour ceux qui souhaitent le récupérer. Voilà, hop.
Allez, c'est parti! Première carte commune, Goupilou, la numéro 104. Ensuite, Grelasson, la numéro 44. Carvana, la numéro 35. Ce sont les communes. Emolga, la numéro 57. Parcoul, la numéro 129. Allez, peu commune maintenant, la première. Guériègle, première peu commune, la numéro 137. La deuxième, c'est un dresseur. Glace Chanceuse, c'est la numéro 150. Et ensuite, on a Tantacruel, la numéro 27, peu commune, numéro 27. Allez, l'énergie maintenant. Énergie plante. Bon, et la reverse. C'est parti. Tac! Dryol. Et encore une rare reverse. Deux rares reverse. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est des rares reverse de cartes qui sont holo rares ou de rares classiques? Parce que bien sûr, les rares reverse de cartes holo rares vaudront beaucoup plus cher à la cotation que des reverse de rares classiques. Donc là, c'est la numéro 119, Dryol. Bon, ouais, bah, ça m'en fait deux en deux boosters. C'est un tripack étonnant là. Et on a en rare Fragilady, la numéro 10. C'est une rare verte. Voilà, bon, écoutez, voilà, il y a deux boosters d'ouvert déjà. C'est plutôt intéressant d'avoir eu déjà deux rares holographiques. Deux rares reverse, pardon. Holographique, c'est, je dis des bêtises. Voilà, allez, je vais ouvrir le dernier booster. Et ensuite, je donnerai le code du JCC Online. Alors, je ne sais plus lequel j'ai donné. J'ai fait une petite bêtise là, je crois. Ouais, je redonnerai les trois. J'ai pas fait attention. Moi, je suppose que le code, celui qui est retourné, c'était le premier. Mais comme je sais plus ce que j'ai fait, je redonnerai à la fin tous les codes ensemble. C'est pas grave. Allez, le dernier. Ou alors, je vais vous donner celui-là à la fin. On va faire comme ça, je vous donne les trois. Et puis, ça sera plus simple. Gommer la petite bêtise là. C'est vrai que j'ai perdu le rythme là des ouvertures Pokémon. Donc, le premier code, je sais plus lequel j'avais donné, desquels je n'ai pas donné. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. Voilà. Et donc, le dernier, je le donnerai à la fin de la vidéo. Et voilà le troisième booster, les amis. Ce troisième petit booster de ce tri-pack. Avec Ténéfix, c'est une commune, la numéro 67. Ensuite, T-Dursa. Numéro 126. Watt-Watt, la numéro 54. Zorua, la numéro 102. Tentacool, la numéro 26. Première peu commune, l'ombre, la numéro 33. Un dresseur casque intégral. C'est une peu commune, la numéro 148. Hypnomane, c'est la numéro 62. Allez, maintenant la carte énergie. Voilà, et on arrive à la reverse. Alors, est-ce que 3 à reverse, ça sera un peu fou quand même dans le même tripack, hein, les amis. On sait jamais. Quand on voit une rare reverse, oh là là là, 3 rares reverse dans le même tripack, les amis. Oh, c'est un truc de fou. Alors là, c'est vrai que j'ai eu des tripacks qui n'étaient pas terribles hein, ces derniers temps. Le premier de cette nouvelle édition. J'ai une VMAX, Nymphali, et là j'ai trois rares reverse dans le même tripack. Bon, bah, c'est un truc de fou. Allez, la rare maintenant, les amis. Et. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore Nymphali VMAX, je l'ai deux fois! Non, mais je l'ai eu la semaine dernière! Et je vous mens pas! Je l'ai isolée d'ailleurs, je vais vous la sortir. J'ai isolé parce que je me suis dit, on sait jamais, s'il faut que je la ressorte. C'est pas une blague, voilà, je l'avais mis sous pochette plastique d'ailleurs. C'est pas une blague, je me retrouve avec deux Nymphali VMAX en deux tripacks. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis. Ah ça c'est marrant. Alors ça, là, pour rien que pour la photo, là, c'est assez original quand même. Hein. Je sais pas la probabilité. Alors déjà d'avoir une ultra rare, c'est quand même costaud. D'en avoir deux dans deux tripacks, c'est encore plus costaud. Et puis là, d'avoir la deux fois la même.
Voilà, je suis étonné. Puis c'est même pas les mêmes tripacks, puisque celui que j'ai ouvert la semaine dernière, c'était le tripack Noctali. Et là, c'est le tripack Becca Glaçon. Alors, je la mets sous pochette plastique, parce que là, les amis, c'est un peu incroyable comme truc. Ouh, alors là, par contre, c'est un tripack de fou. Parce que là, j'ai quand même eu 3-4 rares reverse. Plus une ultra rare. Non, mais c'est n'importe quoi. Et bien sûr, il y a cette carte promo en plus. Là, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et avec celle de la semaine dernière, moi, je me retrouve avec deux Nymphali VMAX. Je ne sais pas quoi dire. Là, je suis. Bon, c'est dommage pour la collection. Je vais devoir en échanger une. Mais après, forcément, ça me permettra d'en récupérer une autre. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je vais vous donner le dernier code. Voilà, le dernier code pour le JCC Online. Voilà, puis je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de 4 boosters de cette nouvelle édition. Épée et bouclier, évolution céleste, EB07. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.